Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ce qui vient de se passer en Allemagne, à Berlin, c'est très, 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 très compliqué. Et oui, les Allemands ne savent réellement pas ce qui est en train de se passer. L'usine qui fabrique les équipements militaires, mais plus particulièrement les systèmes de défense anti-aérienne en destination pour l'Ukraine, c'est-à-dire l'usine fabrique les systèmes de défense anti-aérienne et ces systèmes sont envoyés directement en Ukraine. C'est cette usine qui a pris le feu. On ne sait pas par comment, mais l'usine est en feu. Oui. Jusque maintenant où je suis en train d'enregistrer la vidéoconférence, les sapeurs-pompiers tentent d'éteindre, mais non, c'est encore compliqué. Alors, pour le moment, on ne sait pas ce qui est à la base. Est-ce que c'est la Russie qui a agi? Même eux ne sont pas en train de pointer du doigt la Russie. Mais c'est quand même très curieux de voir que c'est l'usine métallurgique qui fabrique, n'est-ce pas, les équipements militaires en destination de l'Ukraine, qui soit dans cet état-là. Pourtant, nous savons, en Occident, nous savons combien de fois vous avez des systèmes qui sont mis en place pour éviter tous ces genres de choses. Surtout pour une telle usine, si ça prend, n'est-ce pas, le truc comme ça, c'est pas vraiment bon. Pour la zone. Donc pour le moment, la Russie n'est pas pointée. Mais on ne sait pas non plus ce qu'il y a à la base. Est-ce un court-circuit? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais dans cette même journée du vendredi 3 mai 2024, nous avons que Berlin a porté un doigt accusateur, donc l'Allemagne a porté un doigt accusateur, n'est-ce pas, à la Russie dans un autre domaine, dans le cadre de la cybernétique. Des cyberattaques que nous allons parler tout à l'heure. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici de quoi nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de la partager au maximum. Mettez suffisamment de j'aime et mettez en commentaire salut le samouraï. N'hésitez pas de laisser votre avis en commentaire et surtout partagez la vidéoconférence au maximum. Parce que lorsque vous partagez, ça donne plus de visibilité à la vidéo. Puisqu'ils ont décidé de restreindre, n'est-ce pas, nos différentes visibilités, parce que nous donnons les informations réelles, parce que nous disons ce qu'ils ne veulent pas entendre, parce que nous éveillons les consciences. Alors, chères dames, chers messieurs, on va dire peut-être c'est Dieu qui ne veut pas que ces Occidentaux remportent, n'est-ce pas, ce conflit. Puisque l'incendie, n'est-ce pas, qui s'est déclaré dans cette usine allemande, ne s'est pas déclaré dans une autre usine, mais sauf, c'est seulement dans l'usine qui fabrique les trucs, les équipements militaires pour être envoyés en Ukraine. Donc, l'alerte a été lancée, n'est-ce pas? Une alerte d'urgence pour demander aux citoyens d'éviter la zone. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, comme vous pouvez le voir sur l'image. J'ai pas voulu mettre l'image où on a beaucoup de fumée, puisque ce sont des images très sensibles. Alors donc, c'est l'entreprise métallurgique Diehl Metal. On l'appelle Diehl Metal, qui se trouve à Berlin. Elle est, n'est-ce pas, le maître d'œuvre du programme européen de production des armes et de munitions. Donc, toutes les armes et les munitions qui sont produites au compte, n'est-ce pas, et du programme européen proviennent de cette usine. Alors, ça vous dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Moi-même, ça me dit beaucoup de choses et on se pose suffisamment de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la fumée qui sort, nous apprenons que c'est une fumée très toxique. Ils ont même demandé aux riverains de libérer les lieux. Et de l'autre côté, on nous fait comprendre aussi que des substances toxiques telles que de l'acide sulfurique et le cyanure de cuivre éteint, non, voilà les deux types de métaux,
Donc, l'acide sulfurique et le cyanure de cuivre étaient stockés dans cette usine. Alors donc, les habitants de la capitale allemande, n'est-ce pas, sont priés de fermer leurs fenêtres et de rester chez eux. Alors, à l'instant où nous sommes en train de parler, voici ce qui est en train de se passer. Les habitants de Berlin, on les demande de fermer leurs fenêtres et de rester chez eux. Autrement dit, il faut éviter que cette fumée-là entre. Ça peut créer d'énormes difficultés. Donc, pour le moment, on n'a pas encore vu la réaction de la Russie. Mais ça là, ce n'est pas un fait du hasard. Je l'espère quand même. Alors, je disais donc, de l'autre côté, Berlin a accusé, n'est-ce pas, la Russie après plusieurs cyberattaques. Il y a eu des cyberattaques qui se sont produites aujourd'hui en Allemagne. Et l'Allemagne pense évidemment que c'est un groupe, n'est-ce pas, lié au service de renseignement militaire russe, le GRU. Donc, pas seulement l'Allemagne, mais vous avez certaines institutions tchèques qui ont été cibles, n'est-ce pas, aussi de la cyberattaque. Et ils estiment, le ministère estime, n'est-ce pas, que le ministère des Affaires étrangères tchèque estime, n'est-ce pas, que ce sont des vulnérabilités inconnues jusque-là dans Microsoft, Outlook, qui ont été exploitées par ces cyberattaques. Ce qui reste clair, des sites de plusieurs institutions allemandes, tchèques, ont connu un véritable dysfonctionnement. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de ces dysfonctionnements que l'usine-là est devenue ce qu'elle est devenue? Ou réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, tout est mélangé. Pour le moment, les Européens sont sous le feu de l'émotion, puisque vous avez ce feu qui est là. L'objectif, c'est comment éteindre d'abord. Et on n'a pas encore vu de déclaration spécifique. Mais s'il s'avère évidemment que la Russie est mêlée à ça, il faudrait dire cela. Cela va en dire que la situation est en train d'aller à une autre dimension. Parce que nous savons que Poutine avait juré qu'il n'allait pas tolérer tout ce qui participe au conflit armé. Et vu maintenant que Poutine est en train de remporter mais rapidement le conflit sur le terrain au front ukrainien, il n'est pas exclu quand même. Il n'est pas exclu. Partagez cette vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence. Donc, il n'est pas exclu, n'est-ce pas, que Poutine commence à réagir face à ceux-là qui sont les leaders, les pionniers, dans le cadre de l'assistance de l'Ukraine. On a vu les États-Unis d'Amérique qui ont tout récemment sanctionné la Chine et quel autre pays, en estimant que ces pays-là aident, n'est-ce pas, la Russie. Alors, la Russie, à son tour, va faire quoi? Si la Russie a la possibilité de sanctionner par sa propre méthode les pays qui aident l'Ukraine, mais la Russie va le faire. Notamment, si cette plus grande usine, n'est-ce pas, de fabrication de toutes les munitions et systèmes de défense antiaérienne au compte du programme européen, si cette usine, n'est-ce pas, est impliquée déjà dans le cadre de l'assistance apportée à l'Ukraine, qu'est-ce que la Russie va faire? Mais ça, c'est de mon avis. Je ne connais pas votre point de vue. Et pour le moment, je ne dis pas que c'est ce qui a été dit. Non. Ce sont des hypothèses que nous sommes en train de placer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.